Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à Curious Expedition 2 et le mode direction. On est toujours avec notre naturaliste, on est toujours avec notre Yeti, nos deux chevaux et notre petit chien Fien et on est toujours en live. Coucou les gens. On s'était donc arrêté devant notre sanctuaire et on va rentrer dans notre sanctuaire. À l'intérieur se trouvait une salle vide, un long couloir menait à la salle de l'hôtel droit devant. Mes yeux scrutaient tous les recoins à la recherche de pièges. On peut chercher des secrets. Oui, bah oui, avec tous les dévers qu'on a, j'espère bien qu'on va y arriver. Ouais, bah large. Après avoir tapoté les murs, j'ai remarqué qu'une section avait une résonance creuse. En l'inspectant, j'ai trouvé une porte coulissante menant à une seconde pièce. J'ai utilisé toute ma force, mais j'ai réussi à pousser la grande porte sur le côté. Après avoir essuyé la sueur de mes sourcils, j'ai franchi la porte avec prudence. Dans la petite pièce se dressait une estrade surélevée, au sommet de laquelle se trouvait un corps momifié orné de bandages cérémoniels. Prendre la momie, alors ça me fait des souvenirs, ça, dans le 1. Hein? Tu t'en souviens des momies dans le 1, le signe? Ouais, le signe, quand il sourit, c'est un peu l'angoisse, je suis d'accord. Et on arrive sur la salle de l'hôtel. Ok, une image montrant des villages disparaître. Alors en général, ouais, l'indice qui est mis là nous explique un peu ce qui va se passer si on pille l'hôtel. Mais bon, le village. Oh, ouais, il y a des choses sympas quand même. Allez, on ferme. On est re-sous surveillance. On a un objet en trop. Ouais, mais c'est pas grave ça. Hop, un petit whisky. Oh non, merde, le Yeti est devenu alcoolique. Oh non. Je ferais n'importe quoi pour un bon Bordeaux. Oh non, putain. Bipolaire, aveugle et alcoolique. Il est pas bien, notre Yeti, hein? Honnêtement. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est bien. Allez, on va aller voir ce qui se passe par ici. Oh, un ancien campement. Allons voir ce qui s'y passe. Devant moi se trouvaient les décombres du campement d'un autre groupe. Pendant que j'inspectais la zone, j'ai senti quelque chose me regarder. Bon, on a quasiment pas de chance de faire un dé bleu, mais c'est du bonus, donc on devrait avoir au moins des verts. Voilà, on l'a. Non, je me fais pas trop d'amis sur ce run, là, j'avoue que... Bon, en même temps, les naturalistes, hein, tu sais... Les humains, elle en a un peu rien à foutre. Elle, ce qui l'intéresse, c'est la nature et les animaux. Donc, ce que les humains pensent d'elle. Malgré ce mauvais pressentiment, j'ai essayé de fouiller méticuleusement le campement. Ce n'était pas grand-chose, mais j'ai pu découvrir des objets dans les décombres. Des pierres précieuses. Bon, eh ben, on prend. Et on va manger du chocolat et on devrait pouvoir arriver ici. Alors, ça se trouve, il faut retourner au bateau après. Et là, je suis pas dans la merde. Parce que ça, je m'en souviens plus, par contre. Si c'est le cas, je suis juste dans la merde. J'ai mis en place les instruments de mesure, j'ai cartographié. Non, c'est bon. Mon travail ici était achevé. Hourra! Et on gagne de l'expérience et on retourne à Paris. Pouf! Là, on va bien se gaver, hein. Avec tout ce qu'on ramène. Ouais, on est pas mal quand même. J'avoue que le diabétique en plus d'alcoolique, ce serait pas mal. Et on a débloqué des nouveaux objets grâce à notre troisième rang chez LuxLab qu'on pourra prendre avant de rentrer en expédition. Alors, solidarité spirituelle se reposer gratuitement dans les missions. Augmente la loyauté des membres de l'expédition, ça va pas être nécessaire. Empêche les proies de bouger si elles sont à votre portée. Ouais, ça c'est pas mal, celle qui murmure aux oreilles des animaux. Ça correspond bien au personnage. Une silhouette étrange qui semble familière s'est approchée de moi. S'est approchée de moi. Pourquoi je... C'est seulement à ses mouvements et à sa voix robotique que j'ai compris qu'il s'agissait d'Eddiebot dans un déguisement ingénieux. Il m'a dit que comme exploratrice intrépide des îles étranges, je devais me diriger vers l'ancien théâtre abandonné juste devant le site de l'exposition. Eddiebot a disparu aussi vite qu'il est apparu. Alors oui, ça c'est le nouveau bâtiment, je connais pas, qui est apparu avec le dernier DLC. Nouveau bâtiment dans Paris. On va aller voir ce qui s'y passe.
Je suis entré dans le théâtre manifestement abandonné, j'ai trouvé une abondance d'appareils mécaniques en tout genre. Était-ce une sorte d'atelier mis en place par Lux? Eddiebot m'a accueilli dans son déguisement ingénieux et m'a parlé des progrès accomplis ici sur un ton qui semblait presque enjoué. Le robot était ravi de partager ce progrès avec moi et il voyait un moyen d'en faire une expérience sur le terrain. En échange des billets d'expo, Eddiebot pouvait me proposer de l'équipement avancé et des compagnons robotiques sans pareil. De plus, si j'avais besoin d'espace pour mon expédition, Eddiebot accepterait que je laisse l'un de mes compagnons ici aussi longtemps que je le voudrais. On peut carrément cryogéniser un membre d'expédition pour le retrouver plus tard. Ils ont craqué! Ils ont craqué cette nouveauté, quoi. Cryogéniser un membre de l'expédition, quoi. En vrai, cryogéniser un Yeti, moi je dis c'est les gits, hein. Ça passe, hein. Mais bon, je suis plutôt curieux de voir l'équipement. Oh la vache, qu'est-ce que c'est? Une araignée plasma? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? La technologie, hein, un journalisme robotique équipé dans la main. Je voudrais voir ce que ça fait. De l'armure, ok. Donne 7 de renommée à les aventures périlleuses de Clay Gerlin. Ok, ça me donne de la renommée, quoi. Oui, effectivement, une circulaire que les bêtes de somme peuvent équiper. Mais quoi? La cryo, ça marchera pas sur les Yeti, spoil. Une bobine Tesla, mais ils ont tellement craqué avec ce DLC. Une cuisine équipée, quoi. Cure la viande avec genre sac à dos cuisine quoi. Prototype de télécommande. S'il y a un navire sur la carte, il se rapproche pas de votre emplacement actuel. Ah ouais, putain, mais ils ont vraiment craqué quoi. Carte des Bibots. Il a calculé l'emplacement de l'un des objets perdus de l'atelier. Oh, une carte au trésor. Oula, alors c'est trop expérimental pour moi, je pense. Éventuellement ça, pourquoi pas, on peut prendre la carte au trésor, mais... Non mais l'araignée plasma, quoi. C'est ouf, ça. Attends, parce que... et les compagnons robotiques. Ok, Billy Gilles, le recogneur, robot sentinelle et le caméléon robot, quoi. Fait des dégâts d'électrocution, faiblesse... Putain, il est puissant, n'empêche, il a des attaques sympas. Hein. Ok, d'accord. Bon, en même temps, c'est le dernier DLC était basé sur Lux Lab, hein, donc c'est pas illogique qu'il fasse ça. Toi, là, t'aurais pas une selle par hasard? Ah! Ça, c'est cool. On va prendre la selle. On a également une sac de friandises qui augmente la santé mentale maximum. Ah, c'est cool, ça. Ah, il manque un ticket pour le prendre, les deux. Le kit de toilettage. Le harnais en cuir, bof. Ouais, il y a lui qu'on pourrait prendre. Il me semble qu'il a un effet négatif, lui, quand on le prend. Je sais plus. Est-ce que vous voulez qu'on prenne Joubi? Ou pas? Est-ce que vous voulez qu'on prenne le petit sanglier truffier? Je crois pas qu'il y ait d'effet négatif, mais je suis plus sûr de moi. Oui, le mignon truc. Ok. Bon, bah, il y a un oui. Attention. Oui, une fois. Oui, deux fois. Oui, deux fois et demi. Oui, trois fois adjugé. Voilà, c'est fait. Ok, et la selle, ça, c'est cool. On va pouvoir... mettre la selle à notre cheval et hop, on va pouvoir le monter. Et ça, c'est cool. On va faire retour, on va aller voir ce qui se passe à la boussole cassée. Ouais, merci Edroda, c'est bon, c'est fait. Mais je pense qu'on a plus de place, hein, normalement. Ouais, peu. Alors, en fait, en faisant du tri, oui, sur le drive, j'ai crois que j'ai commencé à... Je sais plus si je les ai toutes virées ou pas. Mais je crois que j'en ai viré, ouais. Je crois que j'ai fait une petite bêtise, justement. Je voulais t'en parler, mais je sais plus. En tout cas, non. Je crois que j'ai viré celles qui sont terminées, normalement. Les séries qui sont terminées, je les ai virées. De mémoire. Parce que bon, je me dis, si les séries sont terminées, on n'a plus besoin des vignettes, ça sert à rien.
Mais bon, après, s'il y en a qui sont pas finis et que je les ai virés par erreur, ouais, tu peux les reprendre, effectivement. Je vais regarder pour prendre un élan, mais je crois qu'on n'a plus de place. Ah non, on avait encore de la place. C'est armé, quoi. Ouais, ça doit être la dernière place, là. C'est trop énorme, l'armée d'animaux, quoi. Un silence profond, remplacer le bois, blablabla. Ok. Bon, on va faire. Ah bah non, voilà, congédier un personnage pour commencer l'expédition. Zut. Est-ce que je vire qui du coup? Non mais ouais, il y a trop de peuples du coup. On peut promouvoir notre Yeti, on va le faire. Mais je sais pas trop du coup qui je vire. Vous voulez que je vire qui? Est-ce que je revire Madame Jackson, l'élan rouge? Ou du coup la marquise Jarusha, le petit corgi que j'avais recruté avant? Ou Sabo Flamme, le joli Clidesdale qu'on a trouvé dans cette mission? Ou Aiguille, le cheval qui m'a rejoint en tout début de partie au bar pendant que je buvais un coup, qui est venu me voir et qui. Voilà. Évidemment pas Yeti, hein, surtout qu'ils ont une histoire d'amitié tous les deux, donc. Allez, on revient l'élan. Ok, bon ben on recongédie l'élan alors. Je suis désolé, Madame Jackson. Hein. Voilà. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Mais je voulais validation. Ok. Donc on a un bonus terra incognita sur l'île tropicale. Bon, on va se faire une petite île tropicale, hein, tranquillou. Hein. On a fait les côtes célestes à la première, on a fait une région montagneuse. Il y a des bonus, moi je prends. On reste chez Lux Labs. Alors, la taverne semblait particulièrement fréquentée ce soir et la serveuse était constamment sollicitée. Après m'avoir pris une gorgée de mon verre, elle m'a demandé si je pouvais mettre quelqu'un à sa disposition pour lui donner un coup de main. Bah écoute, si Yeti veut faire serveur. Même si elle levait la main, proposait son aide. Je l'ai regardé courir à droite à gauche pendant que je m'amusais au bar pour le reste de la nuit. Ouais. Au bout de quelques heures, le calme est revenu dans la taverne et même Tim m'a rejoint au bar. Elle avait l'air épuisée mais satisfaite. Nous avons fini la soirée en buvant un dernier verre. 10 d'expérience. Nickel. Parfait. On prend. Bien joué, même Tim. Ah ouais, bah j'imagine Yeti serveur qui te ramène ton truc là. Merci. Je suppose. Allez, on va pouvoir acheter encore des provisions. On a 102 pièces. Alors, on a maintenant les compresseurs thérapeutiques qui augmentent la loyauté, mais ça fait baisser de 10 points de vie. Ouais, bon, on n'a pas besoin. Des haches de lancer. Ouais, ça peut nous faire des bonus, mais on va pas prendre. Alors, prendre les billes et le ballon. La torche, oui. L'équipement d'escalade, oui. Whisky, chocolat, torche. Non, eh merde, je peux pas. Si je reprends un whisky et que je rends un chocolat, ça passe. Allez, on va faire ça. On est bien. J'ai pour y en soute du navire débuter l'expédition. Luxlab avait par un tour habile découvert l'endroit où poussait la célèbre orchidée arc-en-ciel. Oui, j'avais même pas regardé mon objectif. Oh putain, c'est l'orchidée arc-en-ciel. Cette fleur a été gardée par des bêtes féroces qui la défendaient sans relâche. J'allais devoir rester sur mes gardes si je voulais la rapporter indemne à mon navire. Si j'avais su, j'aurais pris les haches finalement. J'avais pas regardé ce que c'était mon objectif. Ouais, donc ça c'est les gardiens de l'orchidée. Pour le moment, ils sont sages. Mais ça ne va pas durer. Alors, Joubi, le sanglier truffier. Vous pouvez envoyer Joubi collecter des objets sur les cases environnantes. Le type de case sur laquelle Joubi récupérera l'objet en déterminera la nature. Ok, bah je me souvenais même pas qu'on pouvait faire ça. Eh ben, hors de portée, très bien. Eh ben là, vas-y, je sais pas, fais ici, voilà. Va voir. Il a déterré quelque chose, des mangues. Ok, elle se périme vite par contre, donc faudra pas trop traîner à les bouffer. Bah, je peux déjà en manger une d'ailleurs. Et l'autre, voilà. Ça évitera de les perdre.
Alors, on va rentrer tout de suite dans l'hôtel. Se trouver une salle sombre. On cherche les secrets. On va pas utiliser la torche. On a largement de quoi faire. Voilà. Quelques dérives. J'ai trouvé une trappe cachée dans le sol. Je suis entré dans le trou, atterrissant doucement sur mes pieds dans la pièce cachée de ci-dessous. La pièce cachée sur l'entrée était humide et pleine de mouches. Chantait la terre sur mes pieds, j'entendais des gouttes d'eau tomber. On pouvait choper des champignons. Un champignon hallucinogène. Ah oui, santé mentale maximum moins 10 quand même. Et celui de régénération. Bon, on va les prendre, on verra bien ce qu'on en fera. On va aller dans la salle de l'hôtel, le son de l'eau. Alors attention, il va falloir courir vite. Hein. Allez, on prend tout. Oh, la course du Yeti, quoi. Préparez-vous à fuir. Nom de Dieu. Moins sur l'eau, on risque rien. On a trouvé le village, les gardiens de l'orchidée, ok. Ouais, bah valait mieux, hein, parce que... Et j'espère qu'il y a toujours... Ouais, c'est bon, il y a toujours un chemin pour aller au bateau. Ça, c'est bon, parce que... Là, par contre, l'orchidée, oui, il faut retourner au bateau après. Hein. Ça, je m'en souviens bien. Ouais, les couleurs sont tellement belles. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? À mon arrivée dans le village, j'ai perdu mon sang-froid lorsqu'une chose chaude et mouillée a léché le côté de mon visage. Mm-hmm. J'ai reculé pour découvrir la coupable, une grande vache qui me regardait avec des yeux amoureux. J'ai ignoré les rires et salué les villageois. C'est... Oui. Elle aime les animaux, hein. Et voilà, hein. Il y a un moment, bon... Voilà, voilà, quoi. Donc, moins 3, je ne cherche même pas à rencontrer leur chef, hein, parce que, voilà, éventuellement troquer. Fromage à pâte dure, ça peut servir. La gaine en cuir, je l'ai déjà. Des peaux de vache, ça peut me servir aussi. Ça n'a pas l'air très cher tout ça. Et des bolas, ok. Bon, j'ai tout mis, mais bien évidemment, je ne vais pas tout. Champi hallucinogène, je suis pas très chaud. On peut pas mal se gaver quand même. Hein. Ah bah le fromage c'est la vie, hein. Ça c'est, on est d'accord. Allez, on va leur donner tout ce qu'on a trouvé et on va récupérer tout ça. On va se reposer une fois. Ah ouais merde, ils veulent pas. Il faut que je leur donne de quelque chose pour. Ils me détestent trop pour ça. Bon, on va laisser tomber. On va pas dormir dans leur village. On va s'en aller. Ah putain merde, c'est pas fini la flotte. Oups, là on a un marchand. Alors, j'espère qu'on va pas tomber dans l'eau. Non, c'est bon. Par contre, le village, il va y passer là. Wow. Serpent géant. On peut attaquer les gardiens de l'orchidée. Ouais. On va s'approcher du marchand déjà. J'ai rencontré un marchand ambulant aux habits bariolés. Il nous a présenté avec hésitation quelques-unes de ses marchandises, ok. Alors, qu'est-ce qu'il a? Un fusil, ouais, des lunettes de protection. Minerve de combat. 5 santé mentale grâce au combat. Ouais, c'est cher quand même, non? Ouais, c'est bien cher. En même temps, les pots... Après, les pots, ça me rapporte des bonus en fin de mission aussi, mais... Ouais, non. Ça pourrait être bien, ça, de la mettre à... Les combats font gagner un peu de santé mentale. En vrai, ce serait pas mal parce que je vais devoir me battre dans ce truc-là. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir donner, quoi? Je peux bien équiper quelqu'un avec ça. Ouais, bah le petit chien par exemple serait pas mal. Ouais. Des bolas, éventuellement je peux donner un bolas, voilà. Et une torche. Non, ouais. Non, les billes, il veut pas. Y'a pas un truc pour faire pile poil la somme, non? Ok. Non. Non plus. Bon, allez. Ça va le faire.
Du coup, petit fien-fien, il va avoir petit collier. Voilà. On va s'approcher des autochtones. Ils vont pas être très contents, mais... On posait un silence obtus. Ma présence est tout d'évidence pas la bienvenue. Ok, ouais, ça m'a servi à rien à part ça. Par contre, on va attaquer le serpent géant. Hein. Bon, peut-être en chier un peu, mais... Ça dépend. Faut voir, on va voir les dés. Ça, je sais pas si ça marche du coup. Comme il n'y a pas d'autres ennemis à côté, tiens. On va tester quand même, on va tester. Parce qu'il a une double attaque en plus, lui. Hein. Hypnose, étourdissement 2 et 32 dégâts. Ah, il fait mal hein, quand même. Hein. Il fait bien mal. On va voir si ça marche. J'y crois pas trop, mais. Allez, c'est parti. On lui enlève vulnérabilité. Ben ça a dû marcher parce que j'ai l'impression qu'il s'est attaqué lui-même. Bon. On va pouvoir faire un étourdissement, donc il va avoir un lancer de dés en moins. Ah ouais, carrément, tu lances un caillou, toi. Et je pourrais presque prendre un bolas. Voilà, ça, il va avoir encore un dé en moins. Normalement, il va pas nous attaquer. Hein. Voilà. Parfait. On va relancer tous les dés. Un coup de vulnérabilité. Une double attaque qui va faire mal. Tranquille! On l'a défoncé le serpent. On gagne une peau de serpent géant et de la viande crue. Parfait. Bon! On peut se rapprocher du marchand vu qu'il est là. La viande, non, ça lui dit rien. J'aurais bien récupéré mon bolas, mais bon. Ouais, non, là contre la viande, je pense que je peux pas avoir grand-chose. Merci! Bon, on va partir au nord. Je pense que c'est vers le. Non, je vais pas l'acheter. Ça peut être là, ça peut être là. On va aller voir par là-haut. J'ai quand même des doutes qu'elle soit là. Ok, par contre, on a une cascade, on va pouvoir venir se reposer. Ah bah si! Ok, on a trouvé la fameuse orchidée. Alors, on va déjà se reposer. Plus je voyais sur ces terres, plus je commençais à comprendre certains signes. Les bichots plaçaient des symboles de leur religion dans la zone où elles travaillaient. On gagne un bonus santé mentale et de l'expérience. Nickel ça! Non, je vais essayer de repasser par le sud, hein, du coup. Alors, on va prendre l'orchidée. Avec un peu de terre pour la maintenir en vie. Je l'ai respectueusement rangée dans une caisse pour le voyage du retour. Je devais maintenant faire le chemin inverse, vers le navire, évidemment. En quittant la cascade avec mon prix, j'ai entendu un hurlement effrayant au loin. Mon cœur s'est arrêté, on aurait dit une bête qui voulait m'empêcher de m'échapper. Voilà. Par contre, ça les active tous. Et là, ça va être un peu chaud. Et oui, elle est prismatique, effectivement. Tiens, qu'est-ce que ça fait quand il fouille dans le désert, lui? Tesson d'obsidienne. Ah ouais, tu trouves ça comme ça, toi? Un morceau de pierre volcanique. Attention, les côtés sont tranchants. Ok, cool. Ah, t'es en train de me dire que de là, je peux pas passer par là? Je me suis obligé de... Oh putain. Ça va être chaud. Le retour, il va être violent. On va se les prendre tous.
Bon bah. Je vais attendre. Autant qu'ils viennent à moi et que je puisse me reposer ici. De toute façon, loyauté diminuée, alcoolisme. Ah oui. Ouais, mais la loyauté, elle est à combien là? 2 sur 4. Ouais, bon, ça va. Il suffira de lui donner l'alcool, de consommer un peu d'alcool, je crois que ça la remonte, la loyauté. De mémoire, c'est un peu tendu, hein. Oh, ils font mal! Ils font tellement mal. Alors c'est parti, vulnérabilité. On fait du dégât aux deux. Va prendre cher. Lui, mais ouais, ils font tellement mal. Ouais, j'avoue, je vais pas te contredire sur ce coup-là. Bon, on devrait pouvoir, ça devrait aller, ouais, j'espère. J'aurais bien aimé plutôt mettre un soin quand même, hein. Voilà. Ça mange pas de pain. C'est pas ouf, mais c'est mieux que rien. J'aurais peut-être dû faire ça avant. Bon, c'est pas grave. Bon, ce combat-là, ça va le faire. Je voudrais relancer ce dé-là pour avoir peut-être la chance de faire du soin. Non. Tant pis, pas de soin. Le gros problème, c'est qu'il y en a encore trois autres comme ça. Après, je peux fuir, hein, mais bon. Enfin, le troisième, je peux peut-être l'esquiver, honnêtement. Hop là, hop là, hop là. Est-ce que je peux pas juste tracer là? Ça se tente, hein. Mais je sais pas. Ah merde. Oh, j'allais dire, je sais pas où sont passés les autres. Stop! Ça se tente. T'avais pas un truc pour apaiser les animaux, toi? Un peu dresser, hein? Y'a pas un truc, non? Non. Ok, très bien. Attends, on va faire ça déjà. Ah non, pas ces plantes de merde. Honnêtement, je pense que je vais bien m'en sortir. On va tenter le sanctuaire. Ça passe. On prend le trésor, nickel. Merde, je suis pour quel con. J'ai oublié de faire la salle principale. Excusez. Je pense qu'il y a moyen de bien se gaver là quand même. Hein. Petit succès déverrouillé, crapule. Très bien.
Ah, les guerriers autochtones qui apparaissent. Non, on va refuser de payer le tribut. Et avec succès en plus. J'ai réussi à les calmer, à faire la paix. Ils m'ont permis de poursuivre mon voyage. Ok, donc on a trop d'objets, mais c'est pas grave ça. Parce que on va bouffer notre chocolat, boire notre whisky. Voilà, les deux mêmes. Je pense que ça a augmenté sa loyauté de 1 de 2. Voilà, parfait, nickel. On pouvait pas rêver mieux. Et maintenant, on n'a plus qu'à tracer jusqu'au bateau. Ouais, franchement, on s'en sort bien. Heureusement qu'ils sont un peu lents quand même. On peut rentrer couronné de gloire! Hourra, hourra, hourra! On regagne de la vie et de l'expérience. Voilà. Wouhou! On peut maintenant prendre un ingénieur. Enfin, avec elle, du coup, je suis pas sûr qu'on puisse, mais. Ok, des barres de céréales, citronnade fraîche. Augmente la pression de la boussole. Donne de l'équipement médical au début de chaque nouvelle expédition. C'est bien ça. Empêche les déplacements à une distance de 15 cases. À plus de... Empêche les proies de bouger si elles sont. Ça, j'ai pas trop compris comment ça marche. On va plutôt prendre médecine. Je me reposais dans mon bureau avec une tasse de thé fumante. L'heure de mon rendez-vous avec les dirigeants des clubs d'explorateurs était arrivée. L'historien s'est approché de moi, son allure mystérieuse semblait charmer de nombreuses personnes. Vous avez déjà accompli tant de grandes choses. Les aventures qui vous attendent s'annoncent très intéressantes, à n'en pas douter. Cependant, je ne peux garantir votre réussite future que si vous suivez ces nouvelles règles. Donc là, on est où? Voilà. On est pas obligé, mais on peut se rajouter des modificateurs en fait. On a du positif et du négatif. Donc là, c'est on subit des pénalités lors d'expéditions à moins qu'on achète des objets pour les compenser au magasin du navire. Alors, vous subissez des pénalités lors d'expéditions à moins que vous n'achetiez des objets pour les compenser au magasin du navire. Ok, donc c'est pour nous forcer, je pense, à acheter. Ce que je fais à chaque fois, je sais pas. Mais par contre, on a plus 20% de renommée supplémentaire pour les trésors apportés, ce qui est cool. Sinon, on a l'inspecteur, on doit amener un inspecteur du club lors de nos expéditions. Pareil, c'est plus 1% de renommée supplémentaire pour les trésors apportés. On a le brouillard rapide. Le brouillard commence plus près des îles et les absorbe plus rapidement. Vitesse du brouillard mystérieux plus 20 pour 5%. Distance du brouillard. Ou aucun modificateur. On va tenter le condition imprévisible. On va se tirer une balle dans le pied. Et voilà, on a fini la première année du coup. Et on arrive à la deuxième année en 1891. Combien de temps qu'elle est la vidéo là? 33 minutes? Elle est plus courte celle-là. Allez, encore faire une petite mission. Alors, un silence profond remplacer le brouhaha de l'exposition. Ok, classique. On va aller voir Lux Labs du coup. Non, on va déjà aller voir l'autre là-bas. Une selle d'agilité. Ah putain, maintenant que j'ai une selle, ils vendaient aussi des selles d'agilité. Ajoute statut selle. Coût de déplacement moins 12. Et là, coût de déplacement moins 24%. Ah, je peux l'acheter en plus. Ah, les boules. Je pense que l'icône est. Je pense que le truc est buggé parce que. Non, peut-être pas. Non, non, ok. Ouais, c'est. Ouais, d'accord. Pardon. Ouais, mais c'est cher quand même. Enfin, c'est bien, hein, mais. Plutôt prendre le sac de friandises à la limite. Ça, si je peux le donner à un animal, ça sera bien. J'aurais pu prendre ça aussi, mais bon, on va plutôt prendre ça. Hop. Ouais, enfin, on était même sur l'objet de niveau 3, quoi. On va promouvoir notre cheval. Et on va donner à. Ah, bah oui, mais ça, non, je me suis planté. C'est pour les animaux, c'est pas pour.
Bon, ben c'est pas grave, on va lui donner ça du coup. C'est mieux quand même que l'autre. Est-ce qu'on peut améliorer quoi? Notre sel passera à moins 14%. On va faire ça. Voilà. On pourrait améliorer ça. Non, ça c'est pas nécessaire. Ça à la limite peut-être, mais. Voilà. S'amuser les objets du mécène, ouais. Ça, on peut acheter de la dynamite maintenant. Ok, intéressant. Bon, on va enchaîner, hein. Ah, les cavernes, j'ai pas envie. Bon, enfin, pas parce que j'ai pas envie qu'il faut pas le faire. J'ai pas regardé encore une fois ce qu'était mon objectif, par contre. Ah, j'ai déjà bu une quantité de spéculoos lorsqu'une personne inconnue s'est approchée de moi. Visiblement vivre, il m'a brièvement mis au défi de prouver que je tenais bien l'alcool. Bon, allez, ça se tente. Tranquille. J'ai bu le premier verre sans hésiter. J'ai senti ma gorge brûler, mais j'ai réussi à sourire malgré tout et à ne pas émettre le moindre son. Mon adversaire n'en revenait pas, mais il a éclaté de rire. On gagne plus 5 de budget. Ah, on peut recommencer? Non, on va arrêter là. Mais bon. Une fois c'est rigolo, deux fois c'est de l'addiction. Ok. Donc, on peut acheter des provisions. On commence avec une trousse de soins, et ça c'est cool. Un pot de goudron. Pot de goudron, comment vous pouvez l'allumer pour obtenir une flamme durable. Bien. Le chapeau protecteur empêche de devenir automatiquement 100% vulnérable au combat. Je saisis pas trop le truc. Empêche le coût de déplacement d'augmenter de 1. Ouais. Les barres de céréales, requiert santé mentale 100 ou moins. Ça, on va prendre. La petite hache. Ah, c'est trouvé la pyramide d'or. Ouais, la hache, non, peut-être pas quand même. On prend du whisky, des torches. De quoi se sustenter un peu. On a la citronnade aussi. Qui coûte 10 pour 20. Ah oui, donc la citronnade est plus intéressante que. On a également la dynamite. Ah oui, t'as raison. T'as raison. Ouais, on peut acheter les objets en compartiment. J'avais complètement zappé déjà ce truc-là. Bah, on va les acheter. Ouais, en fait, tu les achètes et du coup, tu peux acheter moins d'autres trucs parce que du coup, tu consacres ta thune à ça. Ok. Et ben, on va faire ça. Et on va aller voir ce qu'on peut faire. Pas de lunettes. Qu'est-ce que pas de lunettes? N'a pas acheté de lunettes. Distance d'observation, moins 20%. Ah bah. Bon. Ah ouais, en fait, on a 3 malus. C'est pour tout ce que t'achètes. Enfin, si tu dois être d'accord. Ok, tu peux acheter les objets pour compenser les fameux malus. Ouais. Ah, c'est chaud quand même, hein. Oh putain, la zone. Oh non, il y a un volcan. Je connais pas les cavernes, honnêtement. Je crois que j'ai jamais fait. Ouais, j'avais pas vu qu'il y avait les lunettes. Ouais, bon, bah écoute, on va se débrouiller comme ça. Mine de cristal. Côté l'intérieur mal éclairé de la mine, les cristaux sur les parois reflétaient un peu de lumière. Entrez dans la mine. Je me suis fait un chemin dans l'entrée de la mine. Je voyais tout autour de moi des cristaux purs enchâssés dans la roche. Si quelques-uns venaient à manquer, les taupes ne le remarqueraient peut-être pas. Ok, donc c'est des taupes ici. Ok, direct la réputation moins 3 et on chope des petits éclats de cristal. Ah, puis on peut le refaire en boucle comme ça? Ouais, bah quitte à être détesté, hein.
Voilà. Comme ça. C'est annoncé. Si on croise des taupes, ça va fighter. Tiens, toi là. Qu'est-ce qu'il va nous trouver là? Des asticots lumineux, de mieux en mieux. Distance de perception de la lumière. Ok, c'est pour les cavernes, la perception de la lumière. Je sais pas trop comment ça marche. Ok. Je vois pas. Non, je. À découvrir. D'accord, donc il y a des pirates morts-vivants dans les cavernes. Ça semble. C'est oui. Pourquoi pas? Bon bah. Ok, ils ont l'air un peu chaud, chaud, chaud. Il y a du monde en tout cas. Contrer un allié, infliger un effet à un ennemi. Regagnera 25% de sa santé 3 tours après sa mort. Ok. J'aurais dû acheter de la dynamite. Voilà, ça fait mal par contre. Le 30 sur lui, plus un étourdissement. Merde, j'aurais peut-être dû faire ça avant par contre. Ok, et la faiblesse. Bon bah parfait. Bim. Bim. Et puis voilà, ça me paraît pas mal, hein. Enfin, on fait au mieux en tout cas. Ok. Merde. Bon, tant pis. Bien sûr, c'est pas tombé sur le bon. On va refaire sur lui. Tuer son pote, pas de bol, parce qu'il réapparaîtra. J'aurais bien aimé que ça tombe sur un autre. Petit chien là, il prend cher, hein. Ouais, c'est chaud, hein. Bon, bah toujours sur lui, hein. Il y a fait cuite, par contre. -2, ouais, bof. Pas simple, pas simple. Ouais,
On va faire un peu de force sur lui. On a aucun bonus. Hein. Des dégâts sur lui. Faiblesse sur lui. Vulnérabilité sur lui. Ouais, c'est un peu chaud, hein. Aou. On va relancer tous les dés, là. Wow, putain, le lancer pourri. On va essayer de soigner un petit peu notre chien quand même, tant bien que mal. On va d'abord faire ça. Le capitaine a dégagé. Ouais, là, les lancers de dés sont pas ouf. Hein. Lui qui ressuscite là. Non. Bon, au moins le bouclier nous a permis de gagner un tour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, je dois en lancer un. C'est un risque. Hein. Et ouais. C'était risqué. Ok, bon. Normalement, on devrait pouvoir... On devrait pouvoir, en faisant ça et ça, se débarrasser de lui. Se débarrasser de lui. Se débarrasser d'eux. Normalement, on devrait pouvoir se le faire à ce tour-là. Celui-là est gagné. Mais chaud chaud hein, quand même. Alors, je vais essayer de choper le soin, si c'est possible. Parce que si je chope le soin, ben, ça serait bien. Bon, pas de soin. Il n'empêche que... pardon. Hop. Ouf. Ah ouais, il donne des sables à main. Ouais, il donne des trucs quand même. Ok, bon. On va manger les deux barres de céréales. Non, non, normalement il brûle plus après le combat. Hein. C'est fini. C'est juste que ses points de vie, bon, bah, sont un peu bien entamés, quoi. Bah, j'espère que je vais vite la trouver. Alors 72% de précision et elle est bien dans cette direction déjà, ça c'est bien. Attention au truc rouge, je sais pas ce que c'est. Ah non, pas les araignées. Pitié. On a découvert les restes d'une énorme bête. On va essayer de la fouiller méticuleusement. Et puis là on va pas se priver, on va utiliser une torche au cas où. Bon, on n'a pas le bonus. Des dents d'animal et des pattes d'araignée. Très bien. J'espère qu'on va pas l'avoir. Voilà, va-t'en, c'est bien. Parfait. Ah, si on peut se reposer la cascade, on prend. Ouais, faut que j'aille voir le Yeti, ouais, t'as raison. Il en est où? Deux en loyauté. Ouais, je le ferai, il faudra que je picole tout à l'heure, ouais. Alors, il s'est approché de moi, justement. Il a fait une découverte. Il tenait un journal en lambeaux. J'étais surprise de constater qu'il contenait une description détaillée de la flore et de la faune que nous avions croisée au cours de notre voyage. Elle a tiré profit de cette expérience durant son expédition. Ah bah super! Je vais promouvoir le Yeti comme ça. Ça va.
Il faudrait vraiment que j'utilise les tickets pour enlever. J'y ai pas pensé ça en allant. Il y a une société qui permet d'enlever les effets néfastes sur les personnages. Faut que j'aille lui enlever l'alcoolisme parce que c'est vraiment chiant. Yeti. Promouvoir, voilà, ça remonte sa loyauté. Comme ça, je suis pas obligé de picoler tout de suite. C'est parfait. Alors, c'est où? C'est toujours est, sud-est. Ah, j'hésite entre aller par là et aller par là. On va aller par là. Ah, ok. C'est ça le truc à la lumière? Ouais, ok. Ça y est, j'ai compris. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on s'éloigne. Je vais quand même aller là, hein, maintenant qu'on y est, mais il va falloir repartir. On cherche les secrets, évidemment, on utilise une torche, évidemment. Bim bim bim. Je passe un peu les dialogues, hein. On trouve une carte. Ah, c'est cool ça. Nuage de poison. Bon, au point où on en est. Voilà, histoire de se mettre encore plus dans la merde. Ouais, alors par contre, on va oublier, hein, parce que du coup, la carte au trésor dans cette zone, comment dire? Vu qu'on n'y voit que dalle. Ok, peut-être que le nuage, du coup, ne marche pas dans cette zone, et ça, c'est bien. Ok, les taupes vénères sont là. L'araignée vénère est là. Oh, c'est chaud. Oh merde, putain, elle me tombe dessus en attaque surprise, je me suis fait avoir. Ouch! Ouf! Ok, elles sont pas très contentes, hein. Je tenterai bien la fuite. Allez, on fuit. 50%. Ok, on a réussi. Chance sur deux. L'araignée étant loin, on va vite fuir. Par là. Non, non, l'araignée m'aggro. Dites-moi qu'elle est là, dites-moi qu'elle est là. Parce que je m'en vais de cette zone pourrie. Oui, et ben allez, salut et à jamais. Ah, les cavernes, non mais au secours. Oui, et ben voilà, hein. Ça aura pas été la meilleure qu'on a faite, mais au moins on s'en sort vivant. Voilà. Augmente la précision de la boussole, ouais, réduit le coût des déplacements dans la jungle, donne de l'équipement médical. On va prendre ça là. Précision plus 10%. Ouais, le chien chaud quoi, franchement. Mais juste avant de couper, allez voir, je crois que c'est ici, hein. Entraîner un perso. C'est vrai qu'on peut entraîner les personnages aussi, mais bon, ça c'est pas. Voilà. Et on va plutôt aller là. Voilà, soigner une affliction, même ti. Alcoolisme ou bipolaire? Bah, bipolaire, bon, m'en fous un peu, mais alcoolisme. Alcoolisme, c'est bien chiant. Voilà. Nickel. Et ben, du coup. On va s'arrêter là pour cette VOD et ce live. J'aurai assez joué pour aujourd'hui. Et ben j'espère que vous êtes quand même bien amusés. Même si vous n'êtes pas très nombreux sur le live, c'est pas grave. Moi je m'en fiche, je me suis quand même bien amusé. Merci d'être passé. Et puis non, pas très cher à soigner. Ouais, 5 tickets, ça va. Pour un truc définitif, c'est cool. Et puis bah je vous dis à prochaine fois pour un autre live sur Chaos Expedition 2. Et puis on continuera tout ça. A plus les gens. Merci. Bye bye.